Grands cygnes blancs avec des couronnes d'or sur la tête et qui se dirigeaient de son côté vers la terre. Ils allaient l'un derrière l'autre et formaient comme un long ruban blanc. Elle remonta sur la berge et se cacha derrière un buisson. Les cygnes s'abattirent près d'elle en agitant leurs larges ailes blanches. Dès que le soleil eut disparu, les plumes tombèrent tout d'un coup et courut à leur rencontre, les embrassa, les appela par leur nom. Et quand les frères reconnurent la petite sœur, si grande et si belle maintenant, ils furent transportés de joie. Ils riaient et pleuraient à la fois et eurent vite fait de lui expliquer la méchanceté de leur belle-mère. Mes frères et moi, aînés, nous sommes forcés de voler tant que le soleil brille dans le ciel. Nous ne reprenons la forme humaine que lorsqu'il a disparu sous l'horizon. Aussi devons-nous faire grande attention d'être près de la terre ferme au moment du coucher du soleil. Si nous nous trouvions encore là-haut dans les nuages, nous serions précipités à terre. Ce n'est pas ici que nous demeurons, mais de l'autre côté de la mer, dans un pays aussi beau que celui-ci. La route est longue, il faut traverser l'océan. Il n'y a pas d'île où l'on puisse passer la nuit. Il y a seulement, tout juste au milieu, un petit rocher et nous reposer. À marée haute, l'eau monte jusqu'à nous, mais nous ne remercions pas moins Dieu. Nous passons la nuit là, sous la forme humaine. Sans ce rocher, nous ne pourrions point revoir notre patrie, car il nous faut 2 jours et des plus de l'année pour faire la traversée. Une fois par an, nous est permis de venir ici et d'y séjourner 11 jours. Nous volons alors par-dessus la grande forêt. Nous regardons le château où nous sommes nés et où demeure notre père et le haut clocher de l'église près de laquelle repose notre mère chérie. Ici, les arbres et les buissons semblent nos amis. Les charbonniers y chantent les vieilles chansons qui nous faisaient danser dans notre enfance. Quelque chose toujours nous attire ici. Enfin, nous te retrouvons, toi, notre petite sœur. Nous avons encore 2 jours à demeurer. Et puis il nous faut ramasser la mer pour retourner dans le beau pays qui n'est pas le nôtre. Si nous t'emmenions, nous n'avons ni navire ni canot. Que pourrais-je faire pour vous délivrer, dit-lise. Ils causèrent presque toute la nuit et ne purent dormir que quelques instants. Lise fut réveillée par un bruit d'ailes qui battait au-dessus de sa tête. C'était ses 11 frères changés, ce nouveau insigne qui faisait de grands cercles au-dessus d'elle. Ils montaient toujours, puis ils s'éloignèrent. Mais l'un de le plus jeune était seul près de sa sœur. Il plaça sa tête dans son giron et elle lui caressa les plumes. Ils passèrent tout le jour ensemble. Vers le soir, les autres revinrent et dès que le soleil fut couché, ils reprirent la forme humaine. Demain nous repartons et nous ne reviendrons pas avant 1 an. Nous ne te laisserons pas ici. As-tu le courage de nous accompagner?
le soleil parut et que les frères se changèrent en cygnes, ils prirent le filet avec leur bec et s'envolèrent jusque dans les nuages avec leur jeune sœur, qui dormait encore tranquillement. Et là, on a une illustration qui est à l'encre et on voit des cygnes aux ailes déployées et qui tiennent entre leurs becs un tapis sur lequel repose une petite fille. Et en dessous, la mer. Des châteaux et des villes. Longtemps avant,
Dieu veuille que je trouve en rêve le moyen de vous délivrer, dit Lise. Cette idée ne la quitta pas. Elle pria Dieu de lui venir en aide. Elle pria encore, une fois endormie. Il lui sembla qu'elle volait de nouveau à travers les airs vers le palais de la fée Morgane et que la fée venait au travers d'elle, venait au-devant d'elle, belle et resplendissante. Tapisserie verte d'un grand prix et toute pareille à la grotte
Insensible aux douleurs corporelles, parce qu'elle éprouvait une peine encore plus vive. C'était le souci de délivrer ses frères. Elle continua à rester muette, car un seul mot d'elle leur eût coûté la vie. Ses yeux seuls exprimaient une profonde affection pour le bon roi, qui faisait tout pour la consoler. De jour en jour, elle l'aimait davantage, et de tout son cœur désirait pouvoir lui confier son chagrin. Mais elle ne pouvait pas. Chaque nuit, elle se retirait dans sa petite chambre, qui était ornée comme la caverne, achevait les tuniques l'une après l'autre. Quand elle fut à la septième, le chanvre lui manqua. Les orties qu'elle devait employer poussaient, elle le savait, seulement dans les cimetières. Il était indispensable qu'elle les cueillît elle-même. Comment y parvenir? Ah, qu'est-ce que les souffrances de mes mains auprès de l'angoisse qui étreint mon cœur, pensa-t-elle. Je veux tout risquer. Dieu m'assistera. Tremblante comme si elle faisait une mauvaise action, elle descendit dans le jardin une nuit où il y avait de la lune. Et par les longues allées et les rues désertes, se rendit au cimetière. Là, elle vit sur les plus larges des tombes de vieilles et affreuses sorcières assises en cercle. Elles jetaient leurs vêtements comme si elles voulaient se baigner, et avec leurs longs doigts maigres, se mirent à creuser les tombes fraîches. Lys dut passer près d'elle et la regardèrent durement. Mais Lys disait seulement en elle-même une prière. Elle ramassa les orties et revint au château. Un seul homme l'avait vue. C'était l'archevêque. Il était éveillé quand tous les autres dormaient. Il crut qu'il avait eu raison en soutenant au roi que tout n'était pas naturel dans les allures de la reine. C'était bien une sorcière qui avait ensorcelé son souverain et tout le peuple avec lui. Le lendemain, il raconta au roi ce qui s'était passé dans la nuit. Mais pendant qu'il parlait, les statues secouaient la tête comme pour dire « Lys est innocente ». L'archevêque interpréta ceci d'une autre façon et dit qu'elles accusaient la reine. Alors deux grosses larmes coulèrent sur les joues du roi et il revint au palais avec un doute affreux sur le cœur. La nuit suivante, il fit semblant de dormir et fit Lys quitter le château. Elle recommençait chaque nuit, il la suivit chaque fois et la vit revenir à sa chambre. Il devint de plus en jour, de plus en plus sombre. Lys ne pouvait comprendre pourquoi. Ce fut un chagrin de plus pour elle, mais son plus grand souci était toujours de délivrer ses frères. Ses larmes coulaient sur le velours et la pourpre royale comme des diamants étincelants. Et pourtant, tous ceux qui la voyaient si belle l'enviaient. Cependant, son travail approchait de la fin. Elle n'avait plus qu'une tunique à faire, mais il ne lui restait plus d'ortie. Il lui fallait sortir encore une fois pour en cueillir quelques poignées. La pensée de la promenade nocturne et des affreuses sorcières l'effrayait, mais sa volonté était aussi inébranlable que sa confiance en Dieu. Elle partit. Le roi et l'archevêque la suivirent. Ils la virent entrer par la porte du cimetière et disparaître. En se rapprochant, ils aperçurent les sorcières sur un tombeau. Le roi s'enfuit. Il s'imagina avoir vu parmi elles celle dont il avait mis le soir même la tête sur sa poitrine. Le peuple sera juge, dit-il. Et le peuple condamna la reine à périr sur le bûcher. De splendide salle, elle fut conduite dans une sombre cachot où le vent sifflait à travers les barreaux de la fenêtre. Au lieu de velours et de soie, on lui donna le paquet d'orties qu'elle avait cueillies pour reposer sa tête. Les rudes tuniques cuisantes durent lui servir de lit, mais rien ne pouvait lui faire plus de plaisir. Elle reprit aussitôt son travail en remerciant Dieu. Dans la rue, les gamins chantaient sur elle des chansons injurieuses. Personne ne lui adressait un mot de consolation. Vers le soir, des ailes de cygne firent battre à sa fenêtre. C'était son plus jeune frère qui avait réussi à la retrouver. Elle fut transportée de joie, bien qu'elle sût que la nuit suivante fut la dernière pour elle. Car son travail était presque achevé, et ses frères n'étaient pas loin. L'archevêque vint pour l'assister à ce dernier moment. Le roi le lui avait ordonné. Lys secoua la tête et lui fit signe de la laisser en repos. Elle devait finir son ouvrage cette nuit-là, sans quoi tout eût été inutile. Souffrance, larmes, nuit sans sommeil. L'archevêque s'éloigna avec de dures paroles, mais elle se savait innocente. Les petites souris vinrent à elle en tournant.
enfants sur le baquet et démêlèrent le chanvre pour lui venir en aide. Un rossignol se percha sur sa fenêtre et chanta toute la nuit pour soutenir son courage. Un peu avant le lever du soleil, les 11 frères se présentèrent au château et demandèrent à être menés devant le roi. On leur répondit que c'était impossible, il était encore nuit, on ne pouvait les veiller. Les frères prièrent et menacèrent tant que le garde arriva. Le roi vint lui-même et demanda ce que signifiait tout ce bruit. Au même instant, le soleil parut. Il n'y avait plus là de frères, on vit seulement 11 cygnes sauvages, avec des couronnes d'or sous la tête, qui volaient au-dessus du château. Le peuple sortait par la grande porte de la ville pour aller voir brûler la sorcière. On l'avait revêtue d'une toile grossière. Ses beaux cheveux longs pendaient autour de son beau visage. Ses joues avaient la pâleur de la mort. Ses lèvres semblaient briller pendant que ses doigts continuaient à tisser. Même sur le chemin du bûcher, elle n'interrompait pas son travail, car il y avait là 10 tuniques de prêtre, et elle achevait la 11e avec une hâte fébrile. Voyez la sorcière, voyez comme elle marmotte entre ses dents. Elle n'a même pas un livre de psaume à la main. Il faut déchirer en mille pièces cet horrible ouvrage magique qu'elle emporte avec elle. Tous se poussaient et allaient arracher les tuniques. Quand les 11 cygnes sauvages arrivèrent en volant, ils se posèrent autour d'elle sous la charrette et battirent l'air de leurs grandes ailes. La foule étonnée recula. C'est un signe du ciel. Elle est certainement innocente, murmurèrent plusieurs. Déjà le bourreau saisissait Lise par la main. Alors elle jeta en toute hâte les 11 tuniques sur les cygnes qui se transformèrent en jeunes princes. Seul, le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un bras, car à l'une des tuniques, il n'était pas fini. Il manquait encore une manche. « Maintenant je puis parler, » s'écria Lise. « Je suis innocente. » Le peuple, voyant ce qui était arrivé, s'agenouilla devant elle comme devant une sainte. Mais elle tomba évanouie devant les bras de ses frères, tellement le travail, l'angoisse et la douleur l'avaient épuisée. Oui, elle est innocente, dit l'un des frères. Et il raconta tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait, un parfum se répandit comme si on avait apporté des millions de roses. C'étaient les morceaux de bois du bûcher qui avaient pris racine et poussé des feuilles et des fleurs. Il y avait là maintenant tout un buisson de roses rouges. Au-dessus était une fleur blanche brillante comme une étoile. Le roi l'accueillit et la mit sur la poitrine de Lise qui s'éveilla, le cœur plein de joie et de bonheur. Toutes les cloches se mirent à carillonner d'elles-mêmes, les oiseaux à courir par bandes, et l'on vit au château une fête comme jamais on en avait vu. Fin de l'histoire. Faut que je commente les images quand même. Celles qui restent. Signes sauvages avec leur petite couronne sur la tête qui l'entoure et c'est vraiment très très joli.